Dans cette vidéo, je vais partager avec vous top des meilleurs enregistreurs audio en streaming. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir ces enregistreurs. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, parfois vous voulez enregistrer un audio de streaming online, mais vous ne connaissez pas un enregistreur qui saura vous aider à faire ça. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de partager avec vous les meilleurs enregistreurs audio en streaming. Et avant, si cela est la première fois que vous voyez une vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous sur ma chaîne. Aussi, activez le bouton de la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Alors, on se commence par la première logiciel que vous pouvez utiliser pour enregistrer audio interne. Lien du logiciel sera dans la barre de description. Donc, si ça, le site de logiciel, clique ici pour télécharger le logiciel sur votre PC. Le logiciel est compatible avec système Windows, aussi avec système Mac. Une fois le téléchargement du logiciel a terminé, installez-le, puis ouvrez-le comme ça. Donc, c'est ça l'interface du logiciel. Ce logiciel vous permet à faire plein de choses en un seul endroit. Vous permet à enregistrer l'écran de votre PC en haute qualité, vous permet d'enregistrer le jeu. Et ce qui est très important pour nous dans ce logiciel est que vous permet d'enregistrer l'audio interne. Lancez la musique ou la vidéo que vous souhaitez enregistrer. Ensuite, activez cette option. Vous pouvez modifier les paramètres de son à partir de cette option. Donc, vous avez la possibilité de modifier format et qualité de son à partir de ces options. Et après, cliquez ici pour enregistrer le son interne. Vous pouvez mettre l'enregistrement de son interne à partir de cette option. Et pour arrêter l'enregistrement de son interne, juste cliquez ici. Et après, sera apparaître avec vous les fichiers que vous avez réalisés. C'est génial, n'est-ce pas? Vraiment, ce logiciel est formidable, aussi facile à utiliser. Deuxième logiciel, Audacity. Ce logiciel disponible pour Windows et Mac vous permet d'enregistrer audio interne avec des fonctions d'édition. Mais ce logiciel n'est pas facile à utiliser. Il est un peu compliqué pour les débutants. Mais quand même, vous pouvez utiliser ce logiciel pour enregistrer l'audio interne de votre PC. Troisième logiciel, ce logiciel vous permet aussi d'enregistrer de la musique en streaming en direct depuis n'importe quel site de musique. Cliquez ici pour lancer l'enregistrement audio. Une fois que vous avez terminé, cliquez ici pour arrêter l'enregistrement audio, tout simplement. Quatrième logiciel que vous pouvez utiliser pour enregistrer audio en streaming. Donc, si ça l'interface de logiciel, très facile. Cliquez ici pour commencer l'enregistrement. Et après, cliquez ici pour arrêter l'enregistrement. Ce que je n'ai pas aimé dans ce logiciel est que vous n'avez pas la possibilité de régler la qualité audio. Et vous n'avez pas d'option d'édition. Cinquième logiciel, ce logiciel vous permet d'enregistrer automatiquement l'audio interne de votre PC. Ce logiciel peut enregistrer des sons de haute qualité et de capturer toutes les informations relatives à la musique, notamment le titre, l'artiste et le nom de l'album. Aussi, vous pouvez utiliser ce logiciel comme lecture audio. Par contre, le logiciel prend en charge seul le format MP3 et vous n'avez pas de convertisseur audio. Un autre logiciel vous permet d'enregistrer streaming audio. Facile à utiliser, il suffit juste de choisir l'audio que vous souhaitez enregistrer. Puis, cliquez ici pour commencer d'enregistrer l'audio que vous souhaitez. Vous avez la possibilité de modifier format d'audio à partir de cette option. Vous n'avez pas d'autres options telles que option d'édition audio. Voici un autre logiciel vous permet d'enregistrer le son interne. Ce logiciel vous permet également de faire des captures d'écran et aussi d'enregistrer l'écran. Alors, cliquez ici. Ensuite, ça va apparaître avec vous cette fenêtre. Donc, vous pouvez enregistrer le son interne et vous avez aussi la possibilité d'enregistrer le microphone. Donc, cliquez ici pour commencer l'enregistrement. Mettre en pause ou arrêter l'enregistrement à partir de ces options, tout simplement. Vous pouvez enregistrer audio en streaming directement depuis le navigateur Google Chrome. Et pour faire ça, lancez Google Chrome, téléchargez ensuite cette extension, comme ça. Une fois le téléchargement de l'extension a terminé, ça va apparaître avec vous cette fenêtre. Alors, juste cliquez ici pour lancer l'enregistrement. Une fois que vous avez terminé, cliquez ici pour arrêter l'enregistrement.
sera apparaîtra avec vous ensuite cette page. Donc, clique ici pour enregistrer l'audio que vous avez réalisé. Vous pouvez enregistrer audio en streaming à partir de votre smartphone à l'aide de cette application. Ouvrir l'application comme ça. Allez ensuite à réglages. Dans Options Source Audio, sélectionnez Audio interne. Maintenant, lire la chanson que vous souhaitez capturer et lancez l'enregistrement. Une fois que vous avez terminé, appuyez ici pour arrêter l'enregistrement de Dieu. Puis, envoyez le fichier à votre PC via Bluetooth. Donc, c'est ça les méthodes que vous pouvez utiliser pour enregistrer audio en streaming. Alors, si vous avez aimé cette idée, n'oubliez pas de mettre like pour la vidéo. Au revoir à la prochaine vidéo.